et on vient mettre ça au congélateur. J'ai mes sacs congélation, mes 3 tablettes de chocolat, donc blanc, noir et lait. Petite astuce pour faire fondre le chocolat, on met ça dans le sachet. Même chose pour les 2 autres chocolats. Et on vient mettre ça au micro-ondes. On ressort le chocolat du micro-ondes. Maintenant, on l'écrase avec les doigts. On tasse bien dans le fond. Petite astuce pour avoir une petite poche à douille avec un sac congélation. Voilà, on reprend notre glacière avec notre gros glaçon dedans. On va venir le démouler avec un peu d'eau chaude. Et là, on peut le démouler tranquillement. Notre petite poche, on va commencer par le chocolat noir. Et on commence à faire nos dessins. Notre chocolat au lait. On vient faire des points tout autour de notre spirale. Chocolat au lait, même chose. Enfin, le chocolat blanc. On recommence l'opération. Nous, on a utilisé un glaçon pour faire ça. Vous pouvez évidemment utiliser votre sac de congélation et faire exactement la même chose. Chez Chef Club, on aime bien faire du spectacle. Voilà, on les retourne. C'est magnifique. On a nos décors, on va mettre ça au frais. On prend de la pâte à tartiner Chef Club, des bananes. On en prend une, on l'épluche. On vient la tremper dans la pâte à tartiner. On la pose ici. On vient rouler la banane tout doucement jusqu'au bout. Voilà, bien au bord. On enroule la crêpe autour de la banane, bien serrée. Voilà, on prend une crêpe, une deuxième, pâte à tartiner. On va être bien généreux. On étale bien généreusement. Voilà, on reprend notre premier rouleau. On le pose bien au bord. Et même chose, on roule. On essaie de serrer un maximum. Et voilà. Pique à brochette. On vient couper la crêpe entre chaque pique. On reprend nos décors, on vient finir les gâteaux, on les prend délicatement, on les retourne, on pose la deuxième et on vient les planter dans une banane.